Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. C'est un peu mitigé là, le déconfinement. Pour être honnête avec vous, c'est un peu paniquant de voir tout le monde ressortir normal là. Donc surtout en France là, surtout à Paris, les gens normal, ils boivent des bières dehors et tout. Donc c'est un peu space. Nous à Bruxelles ça va encore. Mais ouais, ça. Là, j'ai même une demande d'anniversaire là. Donc ouais, c'est un peu tôt, je crois. Donc voilà, pour le reste, ce matin j'étais faire une séance de sport. Ça faisait 3 semaines. Je n'avais plus fait de sport. Ça m'a fait du bien. J'avais pas envie de faire du sport, je sais pas. J'étais dans un mood. Je bouffais des pancakes tous les jours. Je bouffais des pâtes primo là. Je mettrai les adresses ici, les trucs. C'est trop bon. Je bouffais ça tout le temps, tous les jours. Et donc là, je me suis dit, bon, pareil, il serait temps de te réveiller un peu, sinon tu vas ressembler à un ballon de foot. Et donc là, je reprends une alimentation, on va dire, plus ou moins équilibrée. Même si c'est quand même des bons aliments, mais bon, manger ça tout le temps, c'est pas le top. Pour le reste, j'ai commencé à remplir nouveau mon mur. Montrer très vite fait. Parce que je suis en train de créer une nouvelle collection. Concours. Pour hier, j'aimerais bien refaire hier une deuxième fois. Donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo comme ça, là, ils savent pas qui je suis. Donc je m'appelle Paris Manougou, je vis à Bruxelles, je suis un styliste, entrepreneur. Et j'ai créé une marque qui s'appelle Snob. Et il y a 6 mois maintenant, 3, 4, 5 mois, j'avais créé une collection concours pour un concours qui s'appelle le Festival d'hier. C'est un concours international de mode. Et j'avais été présélectionné, donc sur 430, j'étais dans le top 15. Et le finaliste était 10, ils choisissent 10. Et en fait, les 10 vont à Hyères, donc qui est près de Toulon, en France, présenter devant un jury de nouveau et défiler et compagnie. Le gagnant prend de l'argent, enfin, c'est un truc qui est vraiment côté. Et donc voilà, donc j'aimerais bien le refaire à nouveau, donc je suis en train de travailler une nouvelle collection. Sinon, les choses plus proches, t'as une nouvelle collection Snob Mourir d'amour qui sort très bientôt. Tous les produits sont en production, donc ça c'est plutôt cool. Les ateliers commencent à reprendre un petit peu le rythme. Et aujourd'hui, je dois répondre à quelques mails. Je dois absolument voir pour faire une vidéo tendance mode, mais les vidéos c'est toujours pareil, il faut avoir l'envie de filmer quoi. Donc c'est pour ça, moi je me force pas quand j'ai pas envie de filmer, ben je filme pas. C'est assez simple. Donc je dois faire ça, répondre à quelques mails concernant une interview que j'avais eue il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'elle veut des infos prix ou des trucs comme ça, donc je vais faire ça. Ouais, je continue toujours avec les programmes. Donc j'ai appris pas mal de programmes là pendant le confinement. Désolé, ça tremble un peu parce que j'utilise avec mes mains, donc je check. J'ai appris pas mal de programmes là, notamment Photoshop, programme 3D. J'ai créé mon troisième filtre, je vous le mets là. Donc vous pouvez aller le télécharger sur ma page Instagram. D'ailleurs, on se follow sur Instagram. N'hésitez pas aussi à follow sur YouTube, donner de la force, c'est gratos. Et donc voilà, hein, c'est un peu ça le programme d'aujourd'hui. Ouais, il n'y a pas plus. Donc voilà, je vais boire un petit thé gingembre citron. Pour un peu de détox, et voilà, ce sera ça. Bon, à suivre.